Du coup, mon sentiment sous l'aile, c'est plus du confort et aussi de la sécurité. C'est même près du relief, c'est vrai que on est plutôt confort, on n'a pas peur d'accélérer. Du coup, c'est ouais, plus du confort. C'est pareil pour moi aussi, je me sens vraiment bien dessous, très confortable, je me sens en sécurité aussi. Dans un sport comme ça, c'est quand même assez important. Et ça me permet de. Ça va me permettre en tout cas d'aller faire des petits tours dans les écrins, juste à côté de là où je vole, des grosses montagnes. Et avec une voile comme ça, je pense que j'aurai plus de facilité à le faire. Et c'est bien parce que c'est vraiment des beaux paysages. Et si en plus on se sent bien, c'est magique. Moi, quand j'ai commencé à voler là, chez moi, on avait envie de devenir fort, de faire un peu de la compétition, et on suivait un peu les compétiteurs qu'il y avait à l'époque là. Et il y avait le team ABAC là, et on voyait tous les athlètes. L'Aspic 6 à l'époque, c'était la meilleure voile. Il y avait énormément de gens qui volaient avec, et c'était en fait la voile qui nous faisait vraiment rêver. On se disait, si un jour on arrive à voler avec ça, ça serait déjà beau. Pour moi, l'Aspic, c'est du coup, comme j'ai dit, c'est une aile plutôt confortable à voler. Donc, ça peut me laisser vraiment me concentrer sur autre chose que le pilotage de l'aile. Donc, concentrer, que ce soit sur regarder les autres en vol, comment ils volent, et plus prendre son temps de regarder ses instruments et les conditions en l'air que de se concentrer que sur, se focaliser que sur son aile. Et du coup, ça, je pense que c'est un bon point pour progresser, pour que je puisse progresser dans mes résultats. Et au fur et à mesure de l'année, arriver à avoir de meilleurs résultats.